pour une nouvelle vidéo. On va attaquer ensemble la page numéro 2. Alors, vous voyez, je vous ai déjà mis, du coup, ici, le papier décoratif parce que, eh bien, tout simplement, pour être franche, j'ai fait une boulette. Donc, j'ai tout arraché et j'ai recouvert. Oui, parce que, eh bien, c'est la première fois que je faisais une page comme ça et, forcément, j'ai fait une boulette. Du coup, maintenant, on repart. Je vous jure, promis, ce coup-ci, il n'y a pas de boulette. D'accord? Donc, j'ai mis ma page décorative pour cacher la page décorative arrachée en dessous. D'accord? Et on va attaquer ensemble. Bah oui, je vous le dis, ça n'arrête pas de vous dire j'ai réussi du premier coup. C'est pas vrai, j'ai fait une boulette. Donc, il va vous falloir deux feuilles A4. Hop là, ici. On coupe à 4. Alors, il vous faut deux feuilles de, j'ai dit 14,5 par 23. 14,5 par 23. Du coup, il vous en faut deux. Hop là. Ici. On va faire un pli à 1 cm ici. À 1 cm ici. Et un autre à, donc là on est à 22, à 11,5. Ce qui fait que ça fait un pli à 1, 11,5 et à 22 cm. On fait la même chose avec le second. 1 cm ici. 1 cm ici. Et à 11,5. Voilà. Je le range pour le moment. Hop, on plie. Comme ça. Comme ça. Et ici. Pareil. Pour l'autre. Ici. Ici. Et ici. Je vais venir mettre du double face sur mes extérieurs. Donc. Alors, je mets du double face bleu parce que ça prend plus vite que de la colle. Tout simplement. Mon petit ciseau, il est là. Là. Alors, j'avais pensé, j'avais fait un essai, je me suis dit c'est bon, c'est trop. Et en fait, non, c'était pas bon. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est bon, bah non, c'est pas bon. Bon, là, on dit jamais 203. Alors, non, 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 j'ai fait qu'une faute, j'ai fait qu'une erreur pour le moment. On va pas en faire une deuxième. Hop là, ici. Et ici. Je vais venir biseauter mes angles. Là. Et là. Pareil. Ici. Ici. Voilà. Hop là. Alors, on va essayer de centrer un maximum ce qu'on va faire dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à 2,7 ici une marque. Pareil. Ici, 2,7, une marque. Hop. Je vais tracer un petit trait. De toute façon, ça ne se verra pas. Et normalement, on est... on devrait être bien. Alors, on va le coller ici et normalement on colle. Hop. Ici et il doit rester à peu près la même chose. C'est ça. Donc on est bien. Et ici, je vais faire une marque à 3,5. C'est-à-dire que je vais coller comme ça ici. D'accord. Donc là, je retire mon double face. Hop. Je vais remettre quand même ma règle pour être sûr de bien mettre, de bien coller droit. Et là, donc je mets bien donc vers l'extérieur. Hein, vous voyez, hop. Ici. Là et là,
Voilà, comme ça. On fait la même chose ici, mais alors sauf que là, du coup, on n'a pas besoin de la règle en T, hein. On suit le même mouvement. Hop. Donc, les dimensions, je les ai pris pour des photos de 9 par 13, avec des espaces photos de 10 par 14. Donc, je vais me mettre bien comme ça, et ici. Voilà, comme ça. C'est bon? Oui, on a réussi. Et normalement, c'est bon. Alors, je vais prendre une autre feuille. Et ce coup-ci, je vais prendre une feuille de... si je ne me trompe pas, ça fait 21 par 14,5. Que je ne fasse pas de bêtises. 21 par 14,5. Donc, je laisse ma feuille comme ça. Je coupe à 14,5. Hop là. Et comme ça, je vais pouvoir, hop, ici et ici, la coller comme ça. D'accord? Alors, je la laisse bien comme elle est là. Elle est bien. Hop. Et je vais enlever. Hop. Ici. Et pareil, j'enlève le second. Et en fait, c'est à peu près à ce niveau-là que je me suis rendu compte que je m'étais trompée parce que moi, mes côtés, ils arrivaient là. J'ai voulu mettre une feuille de trop, en fait, tout simplement. Hop, ici et ici. Voilà. Hop. Et du coup, on a ici et ici. Ok. C'est bon pour vous? Bon, ce qu'on va faire, hop, je mets ici, on va prendre deux feuilles, alors je regarde, j'ai peut-être dans mes chutes des feuilles de la bonne dimension, hop là, ça va le faire. Donc, moi là, ça ne me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, c'est comme ça que je me suis foirée en fait. une feuille de, là, il fait combien? Ça fait 14,5, hop là. Ici, par du coup 10,5. Et normalement, toi, tu dois faire 10,5 aussi. Impeccable. Donc, j'en colle un ici. Je vais prendre de la colle normale ce coup-ci. Pareil en dessous. Et comme ça, en plus, je cache la petite languette et ça fera plus joli. D'accord? Hop là, ici. On va bien marquer là et là. Je vais prendre des aimants. Hop. Alors, je vais prendre des super feurs. Des extra méga feurs. Hop là, ici. Je vais le mettre juste là. Et par-dessus, je vais mettre un espace photo. Voilà. Hop. Est-ce que je remets un juste là? Oui, parce que si j'en remets un là, ça devrait peut-être tenir. Je vais essayer de placer un espace photo déjà là. Je continue de voir.
on va mettre, on va faire le dessous. Donc 1 ici, 'cause en fait si on voit avec un seul côté, il y a plus de poids en fait là. Parti sur le côté. Reviens. Oh mince. Vous y croyez, vous? On s'est fait la malle. Voilà. Donc, si je mets un là, là, ça tient bien là, ça tombe pas du tout. Donc hop, vous voyez, en fait ça va faire ça. Donc on continue ici. Ici. Hop. On fait pareil du coup de l'autre côté. Ici. Ici. Déjà là on peut mettre 8 photos. Hop. Ça en fait quand même. Et ici. Hop, je remets à l'endroit. Donc on est comme ça. Comme ça. D'accord. Je vais venir mettre un papier décoratif ici. Alors, j'ai pas encore choisi. Je vais choisir. Bon, j'ai réfléchi à vraiment beaucoup de choses. Ouais, ça m'arrive. Tout simplement parce que, dans le bon sens, Maric, ça fera, ça évitera les boulettes, voilà. Tout simplement parce que, sur la vidéo d'origine, puisque vous savez bien que, si vous avez les premiers tutos, c'est une vidéo de Cathy Grandma Crispy. Voilà, c'est la première fois que je le dis le nom en vidéo, mais vous aurez toutes les informations en barre d'infos, bien évidemment. Vous avez, donc elle a mis ici, vous avez une pochette avec un tag. Moi, je vais pas le faire. Donc, bon, du coup, en fait, comme je vous disais avant que ça coupe, parce que j'ai plus de batterie, et en plus, mon autre batterie est vide également, ça va être... Voilà, faut que je me dépêche de finir. Du coup, j'ai choisi de ne pas faire de pochette parce que tout simplement, est-ce que j'en ai parlé? Je sais même plus où ça a coupé. Bref, moi, je vais ne pas faire de pochette. Donc, si jamais Delphine, elle, souhaite faire une pochette, puisque c'est pour Delphine que je le fais à la base, même si j'espère que vous serez nombreuses à le refaire, eh bien, une pochette, c'est très très simple à faire. Moi, je n'ai rien trouvé qui puisse aller ensemble pour pouvoir faire une pochette. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas faire de pochette. On a déjà quand même 8 photos, c'est plutôt... pas mal, moi je dois dire, donc voilà. Donc je vais juste coller ici et je mettrai de la petite déco par la suite pour donner un peu plus de relief. Donc je colle avant que ça recoupe parce que du coup elle n'a pas chargé beaucoup. Mais vous aurez qu'il est 7h30, ça va être peur de bientôt aller manger. Hop, j'ai hâte, je voudrais bien finir avant. Voilà. Hop là, du coup, ici,
Voilà, et comme je disais, je viendrai mettre de la déco, déjà ne serait-ce que pour cacher ici, d'accord, parce que du coup ici c'est coupé. Hop, donc on ouvre ici et ici. Bon, il m'aura fallu 2 essais, mais j'ai réussi, je suis plutôt fière de moi. Ce sera peut-être à refaire dans d'autres albums photos, vous en pensez quoi? Bon, donc voici pour cette seconde page, ça y est, c'est terminé, enfin c'est, non, c'est le tuto déjà 4, déjà, pour commencer, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est le tuto numéro 4, avec le dos de la page 1, on va y arriver, on va y arriver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouve très très vite pour la suite de ce tuto bien sûr. Allez, bisous bisous.